Ok yo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais essayer de me diversifier un petit peu, c'est-à-dire en fait en game j'ai rencontré énormément de joueurs pro, soit c'est eux qui m'ont tué, soit c'est moi qui les ai tués. D'ailleurs j'en rencontre beaucoup en live, donc n'hésitez pas à venir parce qu'à chaque fois j'ai de la chance. Sur le dernier live, en un live, on est tombé sur Airwax et Nikoff et Xewer à la game juste d'après. Enfin bref, c'était juste insane. Donc d'abord en fait je vais les présenter. Et ensuite, dans quelles circonstances je les ai rencontrés et savoir si c'est eux qui m'ont tué ou moi qui les ai tués. Évidemment, à l'appui, je mettrai des clips si je les ai, ou sinon je ne ferai que raconter une histoire, tel un père castor. Bon voilà, ça c'était la petite vanne. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vais essayer de m'investir au niveau montage. Évidemment, c'est une vidéo bonus. Il y aura toujours les petits montages ou les petits gameplays de temps en temps. Et du coup, moi je vous dis bon visionnage. Donc premièrement, on retrouve Xewer. Xewer, de son vrai nom Gregory Boy, bon ça je sais pas si c'est vraiment important, il est arrivé chez Lunari le 7 avril 2018 pour finalement repartir là très récemment le 13 février 2019. Les raisons, vous pouvez les retrouver sur sa chaîne. Et du coup maintenant je vous montre le petit clip où est-ce qu'il m'a tué. Ouais, ça va arriver de partout là. Merde. J'ai cru que c'était Xewer. Je t'avoue que j'ai cru que c'était Xewer. Attends, mais hé, maintenant qu'il est devenu solo, il s'est pas renommé comme ça? Ici, c'est renommé Xewer, mais je sais pas comment. Attendez, parce que si je me suis fait tuer par Xewer, ça commence à faire trop là. Attendez. Je vais aller voir déjà si Xewer. C'est lui, je te promets c'est lui. Non. Je te promets c'est lui. Putain, je me fais tuer par Xewer maintenant. Mais non, mais what? C'est pas possible. C'est qui son teammate? Coq TV. Il a la renégate mec, son pote. Non mais c'est incroyable. Eh non mais eh, restez sur le stream, vous allez voir passer tous les joueurs pro ce soir. Par la suite, on retrouve Vitality Keolis. Donc il faut savoir que Keolis, bon de son vrai nom, Aseri Zakaria, Keolis est un joueur qui a commencé dans la team Trainard Esport de août à septembre 2018. Il n'est pas resté très longtemps parce qu'il a été par la suite chez LDLC. Moi c'est comme ça que je l'ai connu, chez LDLC. Chez LDLC, il est resté de octobre 2018 à janvier 2019. Et par la suite, il est allé chez Vitality. Donc il est actuellement chez Vitality. Et j'espère pour lui qu'il y restera parce que c'est vraiment un très 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 gros joueur. De toute façon, vous pouvez le voir sur le clip que je vais vous montrer juste après. Et du coup, moi, je vous laisse regarder. J'ai tué Abdou, Gabin. Gabin, Charles. Ah, c'est un monstre. Oh non, il est tellement lourd. Arrête de spam. Non mais mec, il a plus de vie. Oh mec, je meurs par Keolis. T'as vu, il est chaud. Regarde. Ah, il galère là. Mais oh putain, il galère. C'est un monstre. T'as vu, il est chaud. Et c'est qui son pote? Ah, son pote est mort. Ensuite, en tournoi avec Rico, on est tombé sur Airwax et Nikoff. Alors, cet extrait peut porter à confusion, parce qu'en fait, Airwax, c'est vraiment son pseudo, en fait. C'est comme ça qu'il est écrit, et j'ai vérifié. Et dans le clip, c'est vraiment comme ça qu'il est écrit, sauf que son pote, Nikoff, bah, c'est pas Nikoff qui l'a écrit, c'était je sais plus quoi, de toute façon, vous le verrez dans le clip. Bon, du coup, c'est à vous de juger si c'était eux ou pas. Voilà, je vous laisse regarder. Vas-y, sors. Désolé de te bloquer. Ah ouais. Ah. Je suis bloqué. Je me suis jamais autant fait spam.
Non mais mec, c'est bon là. Mais mec, mec, c'est Erwax. C'est Erwax qui m'a tué. Ensuite, dans un tournoi rivalité, en fait dans le chat, il était noté Vitality Ads et Vitality Keolis, et ils étaient au même nombre de points que nous. Malheureusement, on les a pas rencontrés en game parce qu'en plus ils sont morts, mais j'ai la preuve par gameplay dans le chat. De toute façon, je vais vous faire un petit zoom et vous verrez dans ces cas-là. 30 pleine tête, 30 pleine tête, hein. 100. Tu m'as rico. Non, je l'ai mis 100. Non, mais je l'ai mis 30 pleine tête, c'est quoi ça? Et il est nul, hein, j'ai choqué ma balle. Je suis tombé. Bon, dans casse pas grave. Oh, je peux refaire. Mais je peux refaire. Mais c'est quoi ce PC? Ok, donc par la suite, on retrouve Hunter. Donc là, il venait de me mettre à terre et Rico venait de me réa. Et bah, du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de l'attaquer. Mais j'avais 30 HP, du coup, il m'a mis à terre. Voilà, je vous laisse regarder. Pourquoi ça m'a mis mon escalier comme ça? Mais ni. Ah ouais. C'est Hunter. C'est son teammate. C'est lui. C'est Svenia. Svenia, il avait déjà joué avec lui, je me souviens. Ah putain, je suis nain. J'avais pas edit. Aïe aïe aïe. Ah, il est bon. Ah ouais, c'est. Donc maintenant, tous les joueurs pros que je vais vous citer et le contexte dans lequel on les a rencontrés, c'est à vous de nous croire ou pas, parce qu'on n'a pas de preuves vidéo, mais en tout cas, on a les preuves en fait de comment ça s'est passé. Donc tout d'abord, en fait, il y a Rico qui est tombé face à The Vic en game, donc ils étaient même dans une maison à Salty Springs. Rico avait fait un carnage et The Vic a réussi à le tuer avec un edit, il me semble, un truc du genre. Ensuite, Rico est tombé sur Mushway. Mushway était à 12 kills, il était en stream en plus, et il a clairement explosé. Enfin, Mushway, de toute façon, c'est un monstre sur ce niveau-là. Ensuite, moi, j'ai tué Vermax en tournoi. On était à 20 kills en plus, il me semble, avec Rico. Enfin, on avait vraiment fait un carnage. Et je suis tombé dans la game de Mitro. Alors, Mitro, en fait, je vous explique comment j'ai su ça. En fait, sur le coup, je l'ai vu, j'étais en live. Je l'ai tué, mais je m'en étais pas rendu compte, en fait. Et c'est les abonnés qui m'ont dit dans le chat. Enfin, il y a un abonné qui m'a dit, voilà, c'est Mitro. Donc, j'ai été voir en rediffusion. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas pu prendre le clip parce que comme j'avais été dans mon live en faisant share, et bah du coup le clip s'était pris à partir du moment où j'avais fait share. Ceux qui streament sur PS4 peuvent comprendre. En gros, le clip n'était. Enfin, il pouvait plus être pris en fait, c'était ça le truc. Et du coup, bah c'est pour ça que j'ai pas la preuve, mais pour moi c'était Mitro avec le O avec un 0 à la place. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que franchement, niveau chance, moi et Rico on est pas mal. Et puis du coup, moi je vous dis à plus. Allez, salut, c'était Zetfar.